Salut à tous, donc c'est parti. Je fais un petit peu, enfin j'appelle ça du level up, mais en fait j'étais déjà level 10 avant. Enfin, j'ai juste pris un peu d'XP, là je suis à ras de monter de niveau donc. Donc voilà. En tout cas c'est conseillé de d'XP un petit peu quand même. Parce qu'on va avoir. Sera qu'on peut pas. Hop. Ça vous voyez cette vision qu'on passe je crois. Ouais parce qu'on va avoir un boss bientôt. Qui est bon déjà beaucoup moins simple que les autres. Vous avez vu bah déjà j'ai eu un tout petit peu de mal contre le roi scorpion. J'ai vraiment un niveau mais on aura des pâquerettes là. Vous imaginez pas. Niveau 10 pour si je vais combattre le boss maintenant, je risque un peu de me faire massacrer. Quoi. Donc le boss n'est pas dans le désert, hein, vous verrez qui c'est. Il est dans la ville en fait. Donc là oui, si vous n'avez pas compris ce que je fais, ben, je vais essayer de récupérer le coffre. Si vous avez bien regardé. Voilà, il y a un coffre ici. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire dans le désert. Plus tard, on pourra avoir une synergie qui s'appelle Enfouir. Je crois que c'est Enfouir, je suis pas sûr. Qui permettra de. Ah bah voilà, elles ont level up toutes. Enfin, désolé, pas mal, tous. Qui permettra ouais, de passer sous le sable et de rentrer sous les dômes de sable là, que vous voyez en haut des cascades. Mais ça sera pour plus tard. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, bah, c'est quitter le désert. On va passer par là. Ouais, tant que j'y suis, j'ai oublié de faire un truc. Goutte d'huile, non, ça on s'en fout. Ah, ben c'est un ouais, les gouttes d'huile, ça marche. Je vais donner à elle. Ouais, je vais donner aussi l'anneau qui permet d'augmenter les PV, un petit peu la défense aussi. Ça c'est le truc que je viens de récupérer qui permet de changer de classe, mais je vais pas l'équiper tout de suite. Parce que pour l'instant, pas la peine. Il y a quoi d'autre? Ouais, ça pourra servir aussi. Le boss, voilà. Alors, boost l'agilité, donc faut le donner à Cilia. C'est celle qui a la plus d'agilité, mais raison de plus, justement. Comme ça, elle en aura encore plus. Et normalement, j'ai une noix. Ouais, voilà. Une noix. Boost la défense. Donc, je vais le donner à elle. Non, presque. Voilà, presque pas. Voilà. Et là, si on allait en bas, en fait, on allait à Rocher. On ira plus tard. Donc c'est parti, on passe par l'Afra, et dès qu'on arrive là, hop, enfin nous sommes arrivés. Il y a également le conseiller de Madra, je crois que ça s'appelle la ville, qui va arriver. En vrai, si vous avez pas compris pourquoi ils sont venus, bah voilà, c'est pour rattraper Briggs. Et en fait, Pierce, bah, il croit que c'est un des complices de Briggs, alors pas du tout en fait. Parce que Pierce est venu à bord d'un drôle de bateau, voilà. Il l'a enfermé pour rien. Et là, on voit que le village a été touché par la tempête. Thank you.
Voilà, donc lui il va les mener vers la merde à la fin. C'est la chenille qui redémarre. Vous allez voir comment ils marchent comme des... à deux à l'heure, c'est énorme. Une petite touche d'humour. Voilà, là ils foncent comme des tarés. Lui, oups, pardon. Oui, il parle pas. Si on fait télépathie dessus. Donc voilà, c'est un homme de Brinks. T'es pas obligé de faire télépathie dessus. Si on fait pas télépathie dessus, voilà, si on fait pas télépathie dessus, il nous voit pas, mais il passe quand même, il se passe rien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se... Ouais. S'équiper. Alors je garantis pas que je vais battre Briggs du premier coup, parce que je me rappelle, dans mes premières parties, il m'avait posé problème quand même. Quand il est assez chiant, vous allez voir, parce qu'il va... Il va appeler tout le temps des nouveaux mecs, en fait. Donc ils peuvent être jusqu'à 5 dans le combat, du coup. Ça, c'est bon. Et là, on va acheter une nouvelle arme pour Pavel. Je vends pas la hache parce que je crois qu'on pourra peut-être la mettre à pierce plus tard. Et avant de me rendre au port. Alors attendez. Fumigène, ok. Si on s'en fout de ça. Je suis pas un truc, un fiole, on s'en tape. Mystère. J'ai une tactique contre eux en fait, vous allez voir. Assez sympa. Non, bah ouais, on peut pas leur acheter des trucs à eux. De toute façon, des reliques objets, je crois pas que ça existe. Donc il y a plusieurs tactiques pour le battre. Soit on le fait à la bourrin, mais c'est dangereux, hein, parce que si on se loupe, on crève sur le champ, quoi. Parce qu'en fait, c'est surtout de la chance, vous allez voir. Si vous voulez, Briggs en fait il est avec un mec et il utilise sifflet pour appeler d'autres mecs. Donc faut soit l'endormir ou le paralyser pour l'empêcher d'agir et d'appeler d'autres de ses hommes. Soit le tuer en utilisant toutes nos invocations dès le début, mais ça c'est super dangereux quoi. On a des stats de merde si on fait ça. Et comme ils utilisent des gouttes d'huile, les gardes ils vont un peu nous massacrer quoi. Vous voyez, tout ça, en fait, on peut les enlever avec des synergies. Même ce rocher, on peut l'enlever avec des synergies, en fait. On n'a pas encore les bonnes synergies. Voilà. Et là, on va rentrer par là. Allez voir Briggs. Alors Briggs par contre je vais peut-être me faire massacrer la première fois. Je vais tenter mais je sais pas si je vais réussir. Voilà l'autre qui est venu lui avertir quel conseiller de Madrak est venu pour l'attaquer. Alors ils ont, en fait ils ont volé les gens pour nourrir, enfin je sais pas s'ils font ça, si c'est une excuse à la con ou si c'est vraiment vrai qu'ils ont fait ça pour nourrir son village. Ah
Oh putain, il y a mon fond d'écran qui va me faire chier. Mon fond d'écran. Mon antivirus qui... qui va me faire chier là. Il va me spammer dans 5 minutes. Parce que là, il fait une mise à jour en fait. Attendez, voilà. Parce qu'il parle de Pierce en fait qui est enfermé alors qu'il a rien à voir là-dedans. Quoi. Bon, j'ai un niveau un peu bas mais bon, je vais tenter. Voilà, alors, je vais tenter, hein, je dis bien, je vais tenter. Donc le truc c'est Briggs qu'il faut tuer en premier, il a 1000 HP. Parce que tant qu'il est pas mort, bah, il arrête pas d'appeler d'autres mecs. Donc Pavel lui va surtout servir à soigner en fait. Voilà. Elle va brûler. Elle aussi est soignée un peu des fois. Voilà, et vous voyez, il appelle d'autres mecs tout le temps. Voilà. Et maintenant, j'utilise l'explosion comme intérieur. Choc. Le fumigène encore ça va, mais c'est quand ils utilisent goutte d'huile, ils font des gros dégâts sur tout le monde, ça fait super mal quoi. J'hésite, je sais pas trop quoi utiliser avec elle. Putain, joueur tranchant, c'est efficace. Okay. Et voilà, et en plus il le soigne, c'est ça qui fait chier. 63, ok. Je vais utiliser les gouttes d'huile. Et choc. On atteint un bon niveau avec... avec comment? Avec Cilia, il y a moyen de faire des bons trucs aussi. De faire ça, elle encore un peu d'huile, elle encore choc. Si on atteint un bon niveau avec Slia, on peut avoir une magie sur 3 personnes assez puissante. On a plus de goût d'huile, donc je vais faire comme ça. Voilà. Ah, ça fait très mal, vous voyez. C'est ça qui me butait à chaque fois. La première fois que j'ai joué. Alors. Je sais pas trop comment je vais faire là. Je vais attaquer. Tranchant, non, je sais pas, ouais, tranchant. Il a une bonne agilité, elle attaque en premier. Oh le salaud. Mmh.
Ça, ça a des chances de paralyser. Ah, voilà. Voilà, je les ai vaincus. Bon, j'ai eu de la chance parce que s'ils font plein de gouttes d'huile, ça peut faire très mal. On se le prend deux fois, on est dans la merde. Et voilà, donc ils vont libérer Pierce. C'était vrai. Donc voilà, en fait, il avait volé tout ça pour nourrir son peuple. C'est quoi ce dialogue de source, hein? C'est énorme quand ils parlent en même temps, je crois. Pas bête. Et voilà comment il se retrouve à temps plus long. Et je vais bientôt vous quitter. Tout de suite d'ailleurs. Allez, salut.